Des inspecteurs phytosanitaires et semenciers du Togo renforcent leur capacité à Kara sur les techniques de contrôle de qualité et de certification des semences. Cette session de formation est organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, avec l'appui financier de l'Union européenne. Elle se situe dans le cadre du projet « Renforcement des systèmes alimentaires pour un accès durable des petits producteurs aux intrants agricoles ». L'atelier consiste à former ces deux catégories d'acteurs sur les outils nouveaux que la FAO a développé pour les semences et la CEDEAO a développé pour les produits phytosanitaires. Il s'agit d'outiller ces deux catégories d'inspecteurs sur la méthodologie d'abord d'échantillonnage, de contrôle et aussi leur permettre de mieux assister sur le terrain les producteurs. Les participants ont été outillés sur, entre autres, les principes de base de la production et du conditionnement des semences et les techniques d'analyse des semences au laboratoire. Le gouvernement togolais s'attelle à mettre en œuvre la vision du chef de l'État qui est de faire de l'agriculture togolaise une agriculture moderne en assurant sa sécurité alimentaire et qui développe de la richesse à travers la transformation des produits. Cette initiative de la FAO vient contribuer à renforcer les capacités de nous en tant que techniciens de la protection des végétaux et de la direction des semences. Démarrée le 28 août, cette session de formation prend fin le 2 septembre. Une deuxième vague des inspecteurs phytosanitaires et semenciers est attendue à Atakpamé du 10 au 17 septembre 2023 pour la même formation.